L'opposition ne décolère pas depuis l'annonce de Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé que l'assemblée plénière prévue demain et vendredi se tiendrait finalement en visioconférence. Motif avancé, la pénurie de carburant. Mais pour l'opposition, c'est tout simplement un déni de démocratie. Selon elle, Laurent Wauquiez veut simplement éviter de se justifier sur l'affaire du dîner des sommets qui aurait coûté 100 000 euros aux contribuables. On a un président de région qui est pathétique, qui n'est pas très courageux. C'est clairement antidémocratique. On sait très bien qu'un débat en visio, on n'a pas du tout la même possibilité de débattre. C'est Laurent Wauquiez qui tient le micro, ça, nous en avons l'habitude en présentiel. Mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Ce n'est pas tolérable aujourd'hui dans ce pays.